Mesdames, messieurs, bonjour. Heureux de vous voir. Nous allons commencer par le premier cas. Le premier cas est celui de l'enfant Ewen Vallot. Nous sommes le 12 juin et il est 10h13. J'appelle à la barre Monsieur Harpin. Faites en sorte de parler bien fort, de sorte à ce que tout le monde vous entende. Monsieur Harpin, vous étiez le voisin de la famille Vallot. Vous habitiez juste au-dessus, à l'étage. Est-ce correct ? Oui. Bien. Que pouvez-vous me dire sur la famille Vallot ? Eh bien, mes voisins étaient vraiment de très bonnes personnes. Parce que je comprends pas, un couple sans problème. Jamais eu un mot plus haut que l'autre. Je n'ai jamais entendu une dispute. J'habite juste au-dessus. Je peux vous assurer, jamais entendu un mot plus haut que l'autre entre eux. D'accord. Que pouvez-vous nous dire sur la soirée du 17 novembre ? Eh bien, ils sont arrivés pour faire l'enquête, quoi. Puis ils ont mis les rubalises devant la résidence. Enfin, je veux dire les rubalises de la police, bien évidemment. Et moi, je ne savais pas, absolument pas, ce qui s'était passé. Hein. Moi, je pensais à un cambriolage. Enfin, au premier abord. Vous étiez au courant par les services sociaux ? Eh bien, vous savez que les services sociaux passaient, voilà tout. Mais c'était très récent. Hein. Enfin, pas du tout, pourquoi s'inquiéter ? Je vous le redis. J'ai pas compris. Pourquoi ? Merci, Monsieur Harpin. Vous pouvez retourner vous asseoir. J'appelle le témoin suivant, Madame Vallot. Madame Vallot, vous êtes la femme d'Éric Vallot. Je vais parler de l'accident qui s'est passé dans votre vie, juste pour que nous puissions aller de l'avant. Que pouvez-vous me dire d'Éric ? Quelqu'un de fort. Il était attentionné, présent pour sa famille. Mon mari n'est pas ce que vous pensez. Il n'a pas été négligent envers les enfants. Et puis Evan était un petit garçon difficile, il faut le dire. Rien de ce qui s'est passé n'était intentionnel. Madame Vallot, vous êtes rentrée 1h30 après l'accident. Vous avez trouvé l'enfant par terre. Votre première réaction fut d'appeler votre avocat, est-ce exact ? Oui. Pourquoi ne pas avoir appelé les secours ? Oh, c'était inutile. Ça se voyait qu'il était mort.